Good morning, Mr. Riggs. Good morning, Ashley. We should go out and explore the area. There's a large hostile infestation nearby. Kill it before it kills us. We should build up our base as quickly as possible. Let's place it close to a carbonium deposit. Crafting complete. Base is under attack. We're ready for them. Use the rift portal to jump to the mining base. Rift jump successful. I can sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Prepare yourself, Ashley. Be a tough fight. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, c'est Arka. J'espère que vous êtes tous très bien. Je vais vous faire tout de suite ce que vous entendez. Voilà. Nickel. Très longtemps qu'on l'a pas fait, disais-je, Tobaker. Donc, on va finir ce jeu. Je vais pas faire les DLC ou quoi. On va juste finir le jeu. On va pas faire de série non plus. Ouais. Bon, désolé pour la dernière vidéo, je vous les ai laissé. Hein. C'est vraiment merdique le son. J'en suis vraiment navré encore. Ok. Je crois que j'avais laissé dans les épisodes, je crois. Ouais, je crois que c'est non. Il me semble. Oh purée, allez. C'est parti pour faire attaquer à la fin du jeu. Un jeu auquel il est incroyable et qu'on va pouvoir jouer en multijoueur très bientôt. Je sais pas. Très bientôt. Oh mon dieu! Moi j'ai sur un peu le jeu où je suis seul. Clairement. Bon, allez, il va contrôler un méca là. Allez. Plus vite que ça. Faut que ça bouge. Comme la chanson. Magnifique. Oh, oui. On a de nouvelles armes uniques. Donc ça a pas mal changé, hein. Voilà, ça a pas mal changé, le jeu a pas mal changé. Apparemment, il faut pas les DLC pour avoir les nouveaux trucs, mais voilà. Hein. C'est assez bien qu'il rajoute quelques trucs. Mais je sais vraiment pas si je vais faire les DLC, hein. Je ne sais pas. Hein. Faut vraiment que j'ai l'envie. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu comme ça. Mais ouais, je vous marquerai ça dès que je réfléchirai. Ça. Pour les DLC en tout cas. Il y a deux DLC sur The Last of Us. Donc ça devrait pas être trop difficile. Il y a quelques missions, je pense. Donc on a fait tout. Là, on a une bataille là. Une bataille à faire. Ouais, du coup, je voulais pas du coup faire ça. Me pencher sur les améliorations qu'il y a, éventuellement débloquer la mitrailleuse à laser, ça serait cool. Ça serait vraiment pas sympa pour le DLC en tout cas. Elle prend beaucoup d'énergie cette toile, mais je la trouve vraiment magnifique. Enfin, je la trouve magnifique et très puissante surtout aussi. Donc on va voir ça. En tout cas, j'aimerais bien faire finir sur un finish comme ça. Une belle mitrailleuse. En tout cas.
y a aussi les tours à bombardement portail. Donc ça envoie des projectiles, mais avec des portails, ça les envoie vers eux. Ça peut être cool. Prends les vagues de feu pour la machine. On a des trucs extrêmes. Non, on va pas plonger là-dessus, ça sert à rien. On est proche de la fin. Hein. Ouais, on va pas améliorer, ça sert à rien. Notre structure est là, prête à l'emploi. Il manque plus qu'à appuyer sur un petit bouton et c'est bon. Ça c'est niveau combien, niveau 2? Ouais, ça va passer niveau 2. Et je peux le mettre niveau 3. Et ouais, si c'est pas génial ça. Donc ouais, si vous êtes débutant, faites ça. Faites une centrale à fusion niveau 3, comme ça, c'est pas mal. si vous savez pas. Hein. Après, il faut faire les stabilisateurs magnétiques avancés pour bénéficier de... On peut dire ça. Difficile de pas mettre de l'eau en tout cas dedans quoi. Il faut juste de l'électricité. C'est tout. Donc les ennemis apparemment ils arrivent de là-haut. Magnifique hein. Ils arrivent là-haut. Ça arrive dans. Ok. Donc ça j'ai ma tourelle. Ma tourelle. Elle est là. J'ai ma tourelle, elle va faire beaucoup de dégâts. Tac. J'ai les pieds de bombardement. Je vais mettre une tourelle ici, ça va prendre masse de. Et ici ça devrait aller parce qu'il y a des mitrailleuses que j'adore. Voilà. Oh, chose. Ok. Donc ça c'est juste pour trop tard. Pas la vraie fin là. Voilà. Ah c'est pas vrai, pas le début du portail qui est sous la ligne du vrai côté là. Et du coup, on peut reconstruire ce qui est perdu. Et ça c'est vraiment. Ça c'est vraiment cool. Mmh.
Bah du coup ouais tu sais. Pourquoi ASMR un petit peu là, aïe aïe. C'est dur. Coup dur pour la France. Ok. On va démarrer le machin. Y a plus rien à signaler, c'est bon. Il y a ça là-bas qui me gêne, mais bon. C'est pas grave. Non, sinon c'est beau, hein. Attends, je vais voir là-bas. Ça va être un peu attaqué aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qui réagit en plus. Voilà, ici. Et bon. Là. C'est bon, en vrai, c'est bon. On va arrêter de se plaindre. Du coup, je voulais faire, je voulais monter à fond la mitrailleuse, mais on va démarrer sans plus tarder la machine. Où il est déjà? Où il était? On va essayer de foutre une mitrailleuse. Là. Non, c'est pas ça. Ok, là. Ah, et du coup, on peut pas. Est-ce qu'il faut ça? Bon, c'est pas grave, on va penser qu'on démarre, on va démarrer. Du coup, est-ce qu'il est alimenté? C'est bon, on est prêt. On est prêt, je pense. On va mettre un peu d'électricité un peu ici, là. Histoire de... On est bien, là. C'est bien. Un peu décollé dans ce petit monde de route. Voilà, démarrons. Reactivation pilot sequence initiated. The energy flux is creating intense electromagnetic waves. I am detecting minor gravitational field disturbances. The power-up sequence is creating seismic waves. I can feel the ground shaking. The weather is going crazy. It looks like the whole planet is going mad. I am detecting hordes of creatures moving towards our base from all directions. There are thousands of them. Ashley, this is it. We think here for so long, every day fighting for survival. We are prepared for the battle. I know we are. Ils vont couper le cordon, c'est ça. One of our energy connectors has been destroyed. Tower destroyed. There is a breach in our walls. Toujours pas. C'est malade. Base is under attack. Red station power up sequence is 25% ready. An energy connector has been destroyed. One of our walls has been destroyed. One of our portals has been destroyed. Ok, ça attaque partout sur tous les fronts. Ça qu'on aime. New blueprints are available for crafting. Tower destroyed. One of our buildings has been destroyed.
One of our energy connectors has been destroyed. One of our portals has been destroyed. Comment ça, ils ont pu l'électricité? Ah, ma souris. A tower has been destroyed. Base is under attack. Red station power up sequence is 50% ready. Ah, oui, aussi. Ok. On va là. One of our walls has been destroyed. A building has been destroyed. Ouais, ils ont complètement détruit là-bas, attends. Ah, je suis bloqué. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. An energy connector has been destroyed. Tower destroyed. J'ai pas un autre truc là plus intéressant. Non, j'ai rien. Police. Non, j'ai que là. In our walls. One of our energy connectors has been destroyed. Base is under. Grid station power up sequence is 75% ready. L'énergie à chaque fois là-bas. Voilà. Wall destroyed. Franchement, j'ai plutôt pas mal là ici. Base is under attack. Je vais mettre un petit truc là ici. Hein. Et 72 de stabilité. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tower destroyed. On est bien, on est bien. Research completed. Du coup, il y a cette toile. Et dans 8 secondes. One of our walls has been destroyed. Grid station power up sequence completed. The quantum gate is stabilized. Ashley, we are ready to open the two-way portal back to Earth. We made it. It's hard to believe that this moment is finally here. We are receiving signals from the Earth. Quantum entanglement with the station back on Earth is confirmed. You have to manually insert your personal Rift synchronization core to confirm the procedure from our side before the Rift portal can be opened. There's so much diverse life on this planet. We've been here for so long, but have we studied the ecosystem enough to start colonizing the planet? Ashley, your primary objective was to establish a two-way portal back to Earth. Studying the ecosystem is not a priority. Your quantum synchronization core is paired with an identical object back on Earth. The pairing is fragile.
If we don't finalize the connection now, the quantum entanglement is going to collapse and destroy the Rift synchronization cores. If we don't go now, there is no guarantee that we'll ever be able to return to Earth. Ok. Entrons. Oui. Audio transmission incoming. Congratulations, Riftbreaker Novak. You've secured Galaxia 37 for colonization. This is a huge step forward for all of humanity. Our expeditionary forces can start building up a colony. This planet has an abundance of natural resources that will enable our civilization to thrive for centuries to come. Your bravery and persistence will serve as an inspiration for future generations of Riftbreakers. The galaxy is full of planets that are waiting to be discovered and explored. Our new home on Galaxia 37 will allow us to go further than we have ever gone before. Voilà. Bon bah magnifique, magnifique, écoutez. Bon 20 minutes, hein, 20 minutes de gameplay, c'est pas mal. Bon en tout cas, voilà, c'est un jeu indépendant, enfin c'est un jeu indépendant, donc ils ont fait de gros efforts, mais encore c'est pas fini encore. C'est pas fini. Il y a encore plein de choses à découvrir. Plein de nouveaux trucs. C'est ceux qu'ils ont fait X-Morph, donc du coup. Un studio polonais, donc très bien. Non, franchement, c'est... Bon, après, The After Baker, voilà, c'est un jeu, quand même, qui demande beaucoup de puissance, hein. Je vais pas vous cacher, un vieux PC ne fera pas le poids. Tellement de ressources, tellement de choses à l'écran. Après, faut pas pousser le jeu à froid. Si vous avez un vieux PC, mais il est vraiment très très beau, vraiment très très beau. Les reflets, tout, la beauté du jeu. Ah, franchement. Hein. Y a rien à dire dessus, à part que ça perd pas beaucoup de monde, c'est un jeu de survie, de tower defense, c'est, voilà, c'est pas rien, mais ça perd pas beaucoup de monde, c'est un jeu de base, construire des ressources, construire des structures pour se défendre, pour la survie, ceux qui veulent faire de la survie. Après, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oh purée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont introduit une petite histoire, c'est pas mal. Voilà, on contrôle un scientifique commando Captain Norak avec son petit robot, son petit The Wicker Breaker, son petit Hermec. J'ai plus le nom de son petit Hermec. Ah, j'ai plus le nom, mince. Ça fait mon temps. Putain. Ça a été mon temps. Non, sinon, là, c'est un studio pas mal. Un petit studio. Bon, voilà. Bon après ça revient. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, le dernier épisode de The Riftbreakers. Je sais pas s'il y en aura d'autres, je vais réfléchir à tout ça. Tous les DLC, oui, les DLC ne sont pas achetés, donc. Voilà. Donc à moi je vous dis à la revoyure. Salut, bisous tout le monde. Ciao.